Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Non, bah là, je regarde des petites annonces pour changer de boulot. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas au boulot? Tu sais que tu peux tout me dire, hein? J'en ai ras-le-bol de Berthier. Tout ça parce que Monsieur Berthier est chef de service, il se croit tout permis. Quand on voit ce que je rapporte à la boîte et combien je suis payé, bah j'en ai marre. Je me casse. Bon, bah, je vais voir Théo, moi. Attends, regarde-moi ça. Manager, ça a l'air pas mal. Bon, mais il me manque pas d'air. Investir 400 000 euros et bosser 50 heures semaine. Faut vraiment être con pour accepter ce métier de merde. En plus, 2 semaines max de congé? C'est la mort, personne ne voudra faire ça. Oula, attends. Qu'est-ce que je viens de voir? 14 500 boules par mois? Ah ouais, j'ai compris, c'est l'esprit start-up ça. Chérie, j'ai trouvé, on va être riche. Ah bon? C'est quoi? Ouais, c'est une sorte de start-up rurale avec des animaux. Et ça touche 14 500, t'as entendu ça? Oh, c'est bien ça! En plus, Théo adore les animaux. On a déjà lu 5 fois Choupi au zoo. Bon, bah moi je me prépare et j'y vais. T'es sûr? On est samedi. Une offre comme ça, c'est sûr. Il y a déjà du monde sur le coup. Oh putain de GPS! Oh, enfin quelqu'un! Je vais vite lui demander de l'aide. Dégueulasse! Bonjour! 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 Vous m'aidez? Oui, vous pouvez m'aider. Je cherche l'entreprise Technica où je suis perdu depuis au moins 3 km et je sais vraiment pas où c'est. Ah bah, vous pouvez pas mieux tomber. Technico, c'est ici. C'est pourquoi? C'est parce que j'ai vu une offre d'emploi sur internet. Est-ce que vous pourriez me donner quelques renseignements afin que je puisse savoir si ça me plaît ou pas? Bah en fait, c'est tout simple. Moi, j'arrive à 65 ans, c'est l'heure de la retraite et je vends ma ferme. D'accord, mais je savais pas. 14 500 euros, c'est énorme. Je savais pas que vous ramassiez autant de blé. Ah mince, j'ai dû me tromper. C'est pas 14 500 euros par mois, c'est par an. Ah merde. Oh bon, bah moi, je crois que je vais aller revoir Bertie. Vous vous doutez bien que toute cette histoire n'est qu'une fiction. Mais les chiffres qui sont à l'intérieur sont vrais. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe en production laitière, il va s'endetter lourdement. Travailler 50 à 60 heures par semaine toute sa carrière, régulièrement pour avoir moins de 2 semaines de congés payés par an. Juste de congés. Et les revenus en production laitière ont été de 14 500 euros en 2015. En 2016, ils sont tombés à moins de 5 000 euros par personne et par an. Je vous laisse méditer là-dessus.